Bonjour et bienvenue sur les racontines de Nathalie. Aujourd'hui, trois histoires que je dédicace plus particulièrement aux petits-enfants de Mamé Kika, Lia, Inès et Djibril. Djibril, petit coquinou, la première histoire, elle est pour toi. Et c'est un petit peu Mamé Kika qui te l'envoie. Alors, Nino Dino. Je veux des bisous. Waouh ! Malgré ses grandes dents et son fichu tempérament, il adore les petits bisous tout doux et les gros câlinous dans le cou. Connais-tu le plus choupinou des dinosaures? Eh bien, le voici. Voici Dino, le tyrannosaure. Nino Dino a bien dormi. Il est de bonne humeur. Comme tous les matins, il va réveiller papa et maman. Dino avec un petit câlin. Attention! 1, 2, 3. Bisous magiques. Oh, rigole papa. Bonjour mon petit ranosaure. Viens là que je te serre contre moi, s'écrie sa maman. Pour se dire bonjour, papa et maman se font un bisou d'amoureux. Eh, proteste Nino Dino, moi aussi j'en veux un. Mais non, les bisous d'amoureux, c'est pour les amoureux, Nino Dino, lui explique sa maman. C'est pas juste. Pour les petits dinos, il y a 1000 autres bisous. Tu sais bien, lui rappelle son papa. Il y a des bisous chatouilles. Et puis, il y a des bisous câlins. Il y a des bisous mouillés. Et des bisous légers. Et puis, il y a les bisous secrets cachés dans le creux de la patte. Les bisous dans le cou. Et puis il y a surtout l'attaque des bisous. Au petit déjeuner, les bisous continuent à voler. Bisous sur le museau, bébé Dino. C'est tellement rigolo que Nino Dino décide de continuer à faire des bisous toute la journée. De l'école, Nino Dino envoie plein de bisous aux autres dinos qu'il croise, mais aussi aux fleurs, aux nuages. Vraiment, quelle belle journée! Nino Dino est enchanté. Et voilà la maîtresse. Bisous magiques! Hurle Nino Dino en lui sautant au cou. Et doucement, Nino Dino. C'est très bien d'être si content de venir à l'école, mais du calme, on est en classe. Et oui, c'est vrai. Nino Dino avait oublié. Il va devoir attendre un peu pour faire des bisous aux copains. C'est l'heure de la récré. La distribution de bisous va pouvoir commencer. Nino Dino se cache derrière un rocher. Attention, voilà Max et Alfred. Bisous magiques! Oh, tu nous as fait peur, Nino Dino. Et tu m'étrangles avec tes bisous magiques. C'est vraiment pas drôle, hein? De toute façon, moi, je n'aime pas trop les bisous, se plaint Max. Vous faites quoi? Demande Lily, la nouvelle de la classe. Nino, il aime beaucoup Lily. En fait, il l'aime tellement que, quand il la voit, il se met à trembler. Il n'arrive plus à parler. Il n'ose même pas la regarder. Elle est si jolie. Nino Dino distribue des bisous magiques.
explique Alfred. Ah bon? Je peux en avoir un? Nino Dino n'a jamais été aussi près de Lydie. Son cœur bat très fort et soudain il a trop chaud. Avec ses bisous, Lily va le trouver complètement idiot. C'est juste pour mes copains, bredouille Nino en regardant le bout de ses pattes. Tant pis, dit Lily, en partant un petit peu vexée. Qu'est-ce que vous faites tous les trois? Demande Cléa. Des bisous magiques, dit Max. Mais c'est quoi? Eh bien c'est ça, rigole Nino Dino en se jetant sur Cléa. Mais Cléa, elle, ne rigole pas du tout. Ça va pas, non? Tu m'as fait mal au cou et on demande la permission avant de faire les bisous. Cléa est fâchée. Lily est vexée. Ouh là là, quelle journée! Nino Dino est vraiment contrarié. On ne sait jamais qui veut un bisou ou qui ne veut pas. C'est quand même compliqué, hein? Heureusement, il a une idée. Il ramasse quelques feuilles tombées par terre, puis il dépose un bisou dessus avant de plier chaque feuille bien soigneusement. Oyez, oyez, les copains, distribution de bisous magiques. Voici un bisou pour Cléa quand tu voudras. Max, c'est un bisou pour te faire aimer les bisous, hein. Alfred, voici un bisou qui te fait pas peur. Et puis, il y a des bisous pour quand on est triste, des bisous pour rigoler, des bisous à emporter, qui en veut? Moi, 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 crient les petits dinos. Et pour moi, demande Lily. Nino Dino a très peur, mais il prend son courage à deux pattes. Pour toi, c'est un bisou du fond du cœur. Oh, Dino, Nino Dino, pour te remercier, je peux moi aussi te faire un bisou? Oui, bien sûr, Mume Dino, tout intimidé. C'est vraiment la plus belle des journées pour tous les petits dinos. Ça, c'était pour Lilia et toutes les autres petites filles. Pour Lucie aussi. Et puis aussi pour Inès. Ensuite, le petit Tracasaurus. Nous restons dans les dinosaures. Par un chaud matin ensoleillé, sous un beau ciel d'été, le petit Tracasaurus vient de se réveiller. Il brosse ses petites dents pointues, puis se lave tout entier. Il prend de quoi grignoter et est bien équipé par se promener. Le voilà en chemin, l'air réjoui, prêt à profiter de cette journée longuement préparée. Un trajet bien planifié, un délicieux goûter. Le petit Tracasaurus aime bien tout prévoir. Et c'est ce qu'il fait. Mais au bout d'un petit moment, non loin de là, à quelques pas, dans sa petite tête se bousculent déjà de possibles tracas. A-t-il assez emporté à manger? A-t-il pris assez à boire pour la journée? Le petit Tracasaurus est du genre à beaucoup trop s'inquiéter. Et si il se perdait? Et s'il tombait? Ses pattes ont ralenti. Bientôt, le doute l'envahit. Le petit Tracasaurus croyait avoir pensé à tout.
Les événements imprévus l'effraient toujours beaucoup. Alors, quand soudain arrive zigzaguant, remuant, criant, un lézard qui lui demande « As-tu entendu parler de l'orage qui va arriver ?» Le petit Tracasaurus est troublé. Un nuage va-t-il vraiment assombrir cette journée? Un orage, alors qu'il fait si beau. La nouvelle volait autour de lui comme un papillon inquiet. Le voilà bien démuni. Oh là là, je n'ai pas pris mon parapluie. Il se met à claquer des dents et il se sent les genoux tremblants. Pourtant, le ciel est toujours aussi bleu et le soleil toujours aussi chaud. Mais le petit Tracasaurus a oublié l'enthousiasme qui le portait. Doit-il chercher une grotte pour s'abriter? Vite, rentrer chez lui et se cacher. Il ne sait plus quoi faire. Il se sent perdu. Alors, le petit Tracasaurus répète que sa maman lui dit sans cesse ce que sa maman lui dit sans cesse. Mon petit tracas trésor, chasse tes soucis et amuse-toi. Profite de la vie et oublie tes tracas. Laisse-les s'envoler et tout s'arrangera. Le petit Tracasaurus soupire, prend son sac et sort une petite boîte pleine de petits trésors qui l'aide peu à peu à se calmer. Son bâton préféré, son nounours adoré, un galet porte-monnaie et des mots qui réchauffent le cœur. Quand il les serre contre lui, il est heureux. Il va beaucoup, beaucoup mieux. Ensuite, il range sa boîte et reprend sa route, le cœur léger. Il n'est plus du tout inquiet. Enfin, très content de se promener. Je suis grand et je suis fort. Plus jamais, je n'aurai peur. Adieu les petites tracasseries. J'arrête de me faire du souci. Maintenant, je profite de la vie. Grâce à ses pensées positives, le petit Tracasaurus est enfin rassuré. Pourquoi? Lorsque le soleil brille, faudrait-il craindre la pluie? Il partage son pique-nique avec son ami le lézard. Il s'amuse vraiment bien. Ils se sont inquiétés pour rien. Quand on est heureux, rien ne sert de tout gâcher avec de drôles d'idées. Les tracas, comme les papillons, ne demandent qu'à s'envoler. Regarde, Djibril, les tracas et le papillon s'envolent. C'était une jolie histoire pour les petits garçons. Les trois poissons. Cric-crac, mon conte sort du sac. Dans un étang vivaient trois poissons. Le premier s'appelait Égacel. Le second, Milamel. Le troisième, Tocel. Ce sont de drôles de noms. Mais les poissons ont souvent de drôles de noms. Égacel était prudent et instruit. Il connaissait beaucoup de choses et comprenait même la langue des hommes, ce qui est très rare chez les poissons. Milamel était téméraire et rusé. Il n'avait peur de rien, nageait vite et savait toujours trouver la meilleure nourriture. Quant à Tocel, il était plus bête qu'un têtard qui vient de naître. Il regardait sans voir, écoutait sans comprendre et passait son temps à nager en tout sens sans savoir où il allait. Un jour, deux pêcheurs
s'approchèrent de l'étang. Quelle chance! Nous n'avons rien pêché depuis 3 jours. Nous reviendrons demain avec nos filets et nous les attraperons. Et Gassel, qui nageait près de la surface, avait tout entendu. Il avertit tout de suite ses amis. Fuyons avant qu'il ne soit trop tard. Je connais un petit canal qui mène à un ruisseau. Suivez-moi et nous serons sauvés. Pourquoi nous presser? Répondit Milamel. Si les pêcheurs ne viennent pas, nous aurons quitté notre étang pour rien. Attendons demain. Il sera toujours temps de partir. Quant à Tossel, il ne répondit rien, car il n'avait rien compris. Et Gassel n'insista pas. Il nagea jusqu'au canal et se réfugia dans un ruisseau. Le lendemain, les pêcheurs arrivèrent. Milamel les vit et prit peur. Vite, il nagea jusqu'au canal, mais les hommes en avaient fermé l'accès. Malheur, se dit le poisson. J'aurais dû écouter mon ami. Si je ne trouve pas rapidement une ruse, je suis perdu. Il monta jusqu'à la surface et se laissa flotter, le ventre en l'air, sans bouger ni respirer. Les pêcheurs le virent et crurent qu'il était mort. Ils s'en saisirent et le jetèrent au loin. Alors Milamel, en quelques bonds agiles, parvint jusqu'au ruisseau où il plongea. Quant à Tossel, il nageait sans s'inquiéter. Les pêcheurs jetèrent leur filet et il se trouva prisonnier. Il comprit alors le danger, mais il était trop tard. Il eut beau se débattre et s'agiter, il ne parvint pas à s'échapper. Les hommes le tirèrent hors de l'eau et le lendemain, ils le vendaient au marché. Cric-crac, mes pieds sont mouillés et mon compte est terminé. Et il aurait mieux fait d'écouter son frère. Hein. Voilà mes loulous. Par cette belle après-midi, je vous dis à bientôt sur les racontines de Nathalie. Bisous!